Alors j'arrive là, au château Auboursier, qui a développé depuis pas longtemps une activité de gîte. Vous me suivez ? Caroline, merci de m'accueillir. Mais merci à vous tout d'abord, c'est avec plaisir. Alors est-ce que vous pouvez me parler de l'histoire de ce château ? Est-ce que c'est une entreprise familiale ? Ah, c'est 100% familial en effet, complètement. Ça date du grand-père Jean Boursier qui a planté de la vigne il y a 40 ans de ça. Et lui, par contre, était en cave coopérative. Il ne faisait pas son vin lui-même ? Absolument pas. D'accord. Donc, mon père a hérité d'une partie du vignoble, et puis du coup, en 99, il a décidé de se lancer lui-même dans l'aventure. Donc on a commencé à construire la partie du cuvier, et puis après, 2 ans après, voyant que ça marchait, que le vin n'était pas trop mal, voilà, on a construit cette partie, le côté barrique, chez de vieillissement, voilà. Et l'aventure a débuté comme ça. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus précisément du vin, votre rouge par exemple ? C'est un vin avec beaucoup de caractère, riche en fruits rouges et une belle robe. Enfin, il a un velouté extraordinaire. Vous avez développé une activité annexe au vin, à la vinification ? Oui, tout à fait. Donc on a la partie gîte chambre d'hôte. Voilà, donc du coup, c'est vrai que le fait de venir ici, passer quelques jours, et en même temps pouvoir visiter le vignoble, déguster les vins, enfin c'est... En voilà. Direct, ils sont contents. Ouais. Ouais. C'est plaisant. Et nous, on aime partager ça. Et on développe aussi un peu l'onotourisme. On fait des portes ouvertes chaque année, qui sont basées sur le thème pique-nique des vignerons indépendants. D'accord, donc on apporte son pique-nique et on peut déguster votre vin. Tout à fait, voilà. Donc soit les gens viennent avec leur pique-nique, dégustent nos vins, partagent un bon moment avec nous. Il y a un traiteur qui est là, qui peut proposer ses plats. Voilà, après, on organise aussi sur cette journée concours de pêche, parce qu'on a une partie un peu étang à côté, concours de pétanque, concours de barrique. Mais c'est génial ! Oui, non, c'est sympathique. Bon, maintenant, je vais reprendre la route. Je vais essayer de ne pas me perdre. Je pense que ça ira. Oui, je crois que si vous êtes arrivé chez nous, vous pouvez repartir voilà, facilement. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup pour votre accueil, en tout cas. Non, merci à vous. Bon, Elios, il faut qu'on se dise à bientôt. Mais à très bientôt, t'inquiète pas, parce que ça a l'air assez plaisant ici. Allez, au revoir. Dis au revoir. Salut. Allez, on est parti.